Voilà, bonjour, c'est Carmélite. Donc voilà, une petite vidéo sur le Morpion, donc qui est le jeu à la mode en ce moment, notamment notamment online. Donc je vais vous montrer voilà, une vidéo. Donc c'est une vidéo de heads up en mode sudden death, c'est-à-dire mort subite, donc à 5 $, c'est-à-dire que le premier qui gagne une partie, bah, gagne les 5 $ de l'autre. Voilà. Donc j'attends un adversaire. Alors là je joue à 5 $, c'est. Ah bah voilà, il vient d'arriver. Fiche. Ah bah je le connais. Fiche 64. Ouh bah c'est un bon. D'accord. Donc c'est un bon client, ça va être intéressant. Bon, c'est un joueur un peu fantasque. Voilà, qui joue un peu n'importe comment. Que j'ai rencontré à l'EMP de Barcelone. Voilà, donc il gagne. C'est lui qui va commencer. Il gagne le toss, donc il est FTA, donc first to act, hein, c'est le terme. Voilà, alors là il attaque au centre, bon c'est classique, hein, ouverture standard. Donc je vais jouer, voilà, on va jouer dans un coin, on continue. Bon, on va dire bonjour, voilà. Donc c'est vraiment le bon client comme je disais parce qu'il voilà je vais vous montrer comment s'adapter à l'adversaire au Morpion. Donc voilà, donc là je lui tends voilà, le piège classique. Bon, je pense qu'il va quand même le voir et qu'il va jouer en B1. Voilà. Bon, on va retenter, mais je pense qu'on s'achemine vers un split. Alors, en sudden death, hein, on peut faire plein de parties, on peut faire des dizaines jusqu'à ce qu'il y en ait un qui. Des dizaines de matchs nuls jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne. Voilà, bah, là on y est, voilà, c'est le draw. Donc, bah, on remet ça. A new game begins. Alors là, c'est moi qui suis first to act, donc bon, je vais varier un petit peu. Je vais faire une ouverture peu orthodoxe dans un coin, mais je pense que c'est voilà, c'est tout à fait la stratégie adoptée face à des joueurs un peu fantasques comme Fiche 64. Et vous allez voir comment on va le piéger en l'amenant à. Bah voilà, ça va faire perdre les pédales et donc là forcément bah facile, hein, il prend le centre, hein, c'est classique du joueur débutant, il se focalise sur le centre. Nous on prend les coins, bah c'est la stratégie à avoir, on va tendre des pièges de partout, donc là il le part. On va réessayer, donc on va attaquer tous les coins, voilà, pour lui tendre des pièges de partout. Donc par exemple, voilà, bah celui du haut, celui du bas, c'est voilà, on va pouvoir l'attraper en beauté. Allez, on va le mettre là. Voilà. Et donc là, on attaque. Ah oui. Ok, bon. Bon bah voilà, forcément il y avait un trou, il l'a pris. Hein, bon, ouais, l'œil. Bah. Voilà, bah les mecs jouent n'importe comment, ils gagnent, c'est pas grave. Donc c'est important, hein, le choix de la table. Hein, voilà, jouer à des limites basses à 5 $, vous jouez contre des débiles, voilà, qui respectent pas les règles. C'est pas du beau, voilà, c'est pas du beau morpion. Mais bon, je termine quand même deuxième de ce tête-à-tête, donc c'est pas non plus. Voilà, c'est quand même pas mal. Bon, ben, j'essaierai de vous mettre une vidéo plus productive la prochaine fois.